appeler si vous plaignez de vitesse, ça va toujours être la même affaire pour l'instant, le temps qu'on change d'équipement. OK. Ça tourne en rond, l'histoire tourne en rond. Je sais que vous êtes pas content, mais moi je vous dis qu'on a tout fait, là, de notre côté. Il faut changer l'équipement. Pour l'instant, c'est pas envisageable à partir de ça. OK. Mais... on ne change plus rien. Il n'y a plus rien qui va être fait. Mm-hmm. Il n'y a plus rien qui va être fait dans votre dossier. Oui, mais il a bien dit, si ça recommence encore, chose qui va arriver, comme je vous dis, ben là, tu le vois dans le dossier, là, à trois fois qu'ils ont réglé le problème, ça a été recommencé maximum 2 mois après. Ça dépend de l'utilisation des gens qui sont dessus. Si vous m'appelez toujours pour me dire la vitesse, je vais vous dire la même affaire, fait que ça sert pas grand-chose, honnêtement. S'il y a un nouveau problème, oui, je peux vous aider puis regarder ça, mais si c'est la même affaire à chaque fois... Je vois pas la nécessité de faire des suivis à chaque jour avec ça. C'est bon. Je sais que vous êtes sur un équipement, premièrement, qui est quand même âgé. Qui fait en sorte que les vitesses, des fois, ils peuvent varier de 5 kHz à seconde. Puis le minimum qu'il peut vous donner, c'est 500 jours. Ah, OK. La vitesse, effectivement, n'est pas bonne. On va regarder ça. Je vais regarder avec d'autres personnes demain. Effectivement, là, elle n'est pas bonne. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, de mon côté, je la vois à 5 Mbps. Mm-hmm. À mon âge, je la vois à 500 ensemble. 300, entre 200 et 300 et 500 pour seconde. Ah, OK. Là, t'as un peu moyen de retourner sur l'autre test. Tout a été vérifié de A à Z. C'est vraiment le maximum qu'on peut vous offrir comme connexion. Tout a été changé. On a envoyé plusieurs techniciens. Donc, c'est sûr que, peu importe ce que vous allez dire, comme moi, je vais vous dire, on ne pourra pas améliorer ça davantage. Hein, de côté. Donc, au niveau de l'Internet, que vous avez actuellement, c'est le maximum à ce moment qu'on peut vous donner. OK. Bon, ben là, il va falloir que je contacte sur sa clientèle pour qu'il nous charge pour ce qu'on paye. Puis tout a été vérifié de A à Z. C'est vraiment le maximum qu'on peut vous offrir comme connexion. Tout a été changé. On a envoyé plusieurs techniciens. Donc, c'est sûr que, peu importe ce que vous allez dire, comme moi, je vais vous dire, on ne pourra pas améliorer ça davantage de notre côté. Donc, c'est quoi que ce soit, là, c'est vraiment le maximum qu'on peut vous offrir, autrement dit. OK. C'est ça. Non, c'est vraiment à cause de la vitesse de téléchargement, à cause de la vitesse de navigation. Donc, dans ce cas-ci, on est limité. C'est vraiment à cause de l'équipement. Donc, cet équipement-là, une fois chargé, vous n'aurez plus le même service du tout. OK. Donc, moi, ce que je me... J'aurais bien aimé ça vous dire, pas bien long, monsieur, je vais vous monter votre vitesse, mais c'est pas faisable. Moi, de mon côté, là, aujourd'hui, je vais vous dire la même chose que Jean-François là-dessus. Tout était fait, tous les techniciens ont été envoyés. Oui. Les règles d'affaires au niveau TELUS ont été respectées. Il n'y a personne d'autre dans votre secteur. Je vais encore dans le même sens que Jean-François. Tous les clients dans votre qui sont sur l'équipement que vous ont aucun problème. Donc, les règles d'affaires au niveau TELUS sont respectées. La vitesse que vous avez, c'est la bonne. L'équipement que vous en faites, les services, les jeux en ligne, ça, c'est un autre débat. Là. Sur l'équipement que vous êtes, tout était fait de notre côté. Là. Tout était fait, nous on est correct, on a fait que nos devoirs, si on peut dire. Tout était fait, tous les techniciens étaient chez vous. Oui. Tout était validé. L'équipement sur lequel vous êtes ne permet pas ce genre de performance-là. Si on avait des plaintes dans votre coin, on aurait fait une investigation. Puis il n'y en a pas, personne, tout est correct dans votre secteur. Jean-François vous l'a dit à main des mains entreprises. Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner supplémentaire aujourd'hui que d'aller dans le même sens que Jean-François. Je ne sais plus quoi vous dire, puis c'est sûr qu'on répète toujours la même affaire. Ça vient tannant aussi pour vous, là, de toujours vous dire, vous savez déjà ça. Mais quand ça va bien et qu'il n'y a personne sur l'équipement, vous pouvez tomber facilement à 400 km seconde, mais on le sait que c'est jamais la même vitesse à chaque fois, parce que l'utilisation est différente à chaque personne. Ouais, regarde, comme hier, on est tombé à 3.2. J'ai-tu appelé? Non. C'est acceptable. Je suis quand même capable d'aller marquer là sur Google. Là. C'est chose qui n'est pas tout le temps le cas, mettons. Ouais. C'est sûr que s'il y a plus de monde en même temps, je comprends le principe. C'est désagréable. Sauf que... En même temps, on a les mains liées à moins de changer l'équipement, mais pour l'instant, comme je vous mentionne. Ouais, c'est ça. Là, si ça recommence, le trouble, là, il va falloir que TELUS s'allume que okay, l'équipement ne fournit plus pantoute pour les clients dans ce bout-là. Là. Je sais pas, la décision, c'est pas moi qui... Non, je sais. Je sais pas, vous êtes un type qui utilise plus
offrir plus que ça, c'est juste ça. Ben, c'est pas vraiment qu'on l'utilise plus, c'est qu'on l'utilise plus souvent. Mais... C'est normal qu'on utilise juste Internet de façon régulière. C'est juste ça, je vous dis. Ouais. Quand on fera n'importe quoi, ça va tout faire. Ouais. Si c'est ça, on a revérifié, là. Mais si vous voulez regarder, ou au pire, vous mettre à 1 mégabit, puis payer pour ça, c'est comme vous voulez, à mettre à de l'intermédiaire. Ça, si vous trouvez que vous payez trop pour ce que vous avez, abonnez-vous à du 1 mégabit. Vous allez avoir 1 mégabit. Pour l'instant, c'est ça qu'on peut vous offrir. Ben ouais, mais là, 1 mégabit, c'est même pas utilisable quand on est à 1.5. Imaginez en 1. Que League of Legends joue. Puis c'est pas pour la journée qu'il y a le même, là, hein. Le là, 3-4 jours aussi, il est venu lent, demain. Quand on appelle, là, c'est ça qu'il a fait. Mais évidemment, d'habitude, on appelle, on nous dit que vous êtes supposé nous rappeler, puis quand vous nous rappelez, ben, comme toujours, c'est déjà passé. Ben, j'arrive à 660 KO secondes ici en téléchargement. Ben, désolé, mais moi, je le vois à 13.7 KO secondes. Si on va le faire avec Internet Explorer. Au niveau du signal que vous avez actuellement, on a tout changé. Oui. Chez vous à la maison, vous le dites vous-même, on est parti de la centrale, puis on a changé tout chez vous à la maison. Ben là, disons qu'à partir du poteau, là, tout ce qui est dans la maison, ça a été refait à neuf. C'est ça, exact. Bon, mais ils ont tout dit que le problème était à la centrale, la petite boîte qui vont tout le temps taponner, là. Okay. La dernière fois, celui qui est venu, super gentil, et je devrais même pas être ici aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ben, j'ai dit, comment ça? Ben, il dit, le problème, il dit, il n'est pas dans la maison, le problème. Il dit, ils savent qu'il est en centrale. Ils disent que, là, il dit, ça joue au yo-yo. Là, okay. Moi, je vous dis, là, puis j'ai tout ça sur enregistrement. OK. Ben, regardez, madame, le dossier est encore ouvert. Ben, en fait, il est fermé. Il est fermé depuis tout aujourd'hui. Mm-hmm. Vous pouvez nous rappeler, si vous plaignez de vitesse, ça va toujours être la même affaire pour l'instant, le temps qu'on change l'équipement. OK. Ça tourne en rond, l'histoire tourne en rond. Je sais que vous êtes pas content, mais moi je vous dis qu'on a tout fait là, de notre côté. Il faut changer l'équipement. Pour l'instant, c'est pas envisageable à partir de là. OK. Mais...